Fin avril, Krasnoïarsk est devenue la quatrième ville sur le sol russe à accueillir le relais de la torche des Universiades. Une journée spéciale pour la ville de Sibérie, candidate pour accueillir les Universiades d'hiver 2019. Des athlètes de roller skate et des cyclistes ont participé à ce relais, inaugurant une manière différente de porter la flamme avant que la torche ne parte pour Volgograd. La piscine olympique de Kazan a accueilli plusieurs compétitions tests ces dernières semaines. Le championnat de Russie de plongeon, la finale de la Coupe de Russie de natation et une autre épreuve spectaculaire, les championnats de Russie de natation synchronisée. Plus de 200 nageurs en provenance de 15 régions de Russie se sont affrontés pendant 3 jours. Les arbitres de natation synchronisée ont annoncé que la Russie enverra son équipe première aux Jeux de Kazan, ce qui lui permettra de monter en puissance avant les championnats du monde de 2015, disputés eux aussi à Kazan.